Déjà que je fais d'autres centres avant d'arriver, notamment le centre le plus important de la commune, Wami Yassé. Et comme ici, il n'y a pas encore l'affluence, donc j'espère que les populations vont rapidement venir faire ce devoir citoyen qui est important pour la démocratie. Effectivement, ici à Bébiya, je viens d'effectuer mon vote et nous restons dans le travail confiant et assurés de la victoire. Ce que je remarque, c'est que depuis hier, déjà, nos adversaires sont en train de multiplier des sortes d'explications de probables effets. Nous sommes un pays, depuis 1858, je crois, nous votons, donc il faut que les gens respectent les citoyens et le système démocratique sénégalais. Nous savons voter au Sénégal dans le respect, dans les règles, et l'État est assez organisé pour permettre un vote libre à tous les citoyens. Donc ça ne sert à rien d'être à multiplier cette nuit en parlant de bloquer ou je ne sais pas quoi, personne ne peut empêcher le déroulement normal du vote dans ce pays. Quelle est la préconisation à vos compatriotes aujourd'hui? De sortir de voter, parce qu'il s'agit de venir choisir quels vont être ceux qui vont consulter le Parlement du Sénégal pendant 5 ans. Le Parlement, c'est la deuxième institution de ce pays. C'est un pilier essentiel pour notre démocratie. Quand nous voulons nous vanter d'être un État démocratique, il faut que toutes les institutions aient la plénitude de leur dignité, de leur fonction, de leur mission, pour que justement tous ici puissent aller de l'avant. Vous savez, une conception humaine est perfectible et on a besoin à chaque fois de donner la force à ces institutions. Donc, nous convions les citoyens à venir exprimer, en tout cas, leur choix, quel qu'il puisse être. Nous espérons que ce soir sera pour la construction du pays, pour la stabilité du pays, pour l'égalité dans ce pays, ce qui est entre les territoires, l'équité territoriale, l'équité sociale, entre tous les citoyens, le respect de nos valeurs culturelles, culturelles, de nos valeurs aujourd'hui de bon vivre ensemble, de bon voisinage avec les autres pays. C'est tout ça qui fait le cœur de l'action du Benovokiaka. Et je pense que quand on aime ce pays, qu'on veut le construire, on doit aisément voter Benovokiaka. Et c'est à ça que je vais les Je vais vous dire que le pouvoir législatif qui réunit puis avec du Romi à Dignon. C'est ce qui est important. Parce que si vous avez une démocratie, il y a une démocratie. Si citoyen, moi, je ne sais pas si vous avez une démocratie. Moi, c'est un devoir citoyen. Vous avez un droit, vous avez un devoir. Vous avez un devoir citoyen. Donc, je vous demande, si vous avez une tranquillement, nous nous sommes en 1850, nous sommes en voté. Nous sommes en train de nous faire. Nous continuons de tabac. Nous sommes en train de nous faire.
am jaar jaar am compétent ñoom ñoo wara ñoo réew.